Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec la Ligue Celtique que vous attendiez tous. Et on est toujours avec Damned et Tiberians. Bonsoir les gars. Salut. Bonsoir. Et donc on était en guerre contre la Hollande et confrères. N'est-ce pas? Ça représentait qui encore? Oh bah ça va, on est bien. De moins en moins de monde. Ouais, il reste la Bohème et la Hollande quoi en gros. Ouais. Et Passaï. Et Passaï, complètement. Et Rome aussi, que tu étais en train de. Je rappelle que Passaï, ça nous intéressait un peu. Ça m'intéressait un peu. Ouais, c'est clair. Ouais. J'avais fait le nécessaire pour débarquer à Passaï, je crois. Il y a une flotte hollandaise tout en bas. Là. Ok. Mais vous êtes. Il y a 30 bateaux hollandais sur la pointe de l'Afrique, je sais pas ce qu'ils foutent là. 14 navires lourds en plus. Hollandais? Ouais. Ah, je sais pas. Ce qu'ils foutent là. Qu'une idée. Bref, on continue. Ouais. Hop, c'est parti. Donc du coup, nous... donc j'avais des soucis de rébellion chez moi, a priori. Ouais. Donc je vais avec un peu de bol faire tomber le siège de la Bohème vite là, et après je pourrais envoyer un peu de monde. Ça c'est très gentil. Très très gentil. Ah parfait, le siège est tombé. Donc là, je pense qu'il va la Bohème va commencer à lâcher, donc on va envoyer ses gens. Vous allez aller à Co. Ah, c'est sur ton autre île en plus, ouais, mais globalement. Globalement, leurs flottes sont pas trop dans le coin. Alors, ici, on va passer à ça. Hop. Bon, je vise les forts bohémiens en priorité pour en terminer. Vas-y, vise. Ah putain, qu'est-ce qui se passe? Deux secondes. Tu es décédé, je crois. Ah oui, je suis décédé, effectivement. Richard I de Dreux qui gouverne la patrie. Donc on a plus de stab, du coup. Tristesse. Ça tombait bien, on a vachement plein de points admin, c'est super. Possibilité d'avoir un héritier moins 25%, et il a 65 ans, le mec. Ah, drame. Ah, ça fait mal, ça, par contre. Drame. On a ouais. des mariages royaux. Qu'est-ce que ça donne? Mariage royaux. Je t'en propose un déjà. Oh, ouais, oh la vache. Ah, sinon, il se passe quoi? Bah, pour l'instant, rien vu qu'on est en guerre, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est là que t'es content du coup de prendre les états généraux. Pas de consort, pas d'héritier. Changement de roi tous les 4 ans. Ah bah oui. Hein. Ah bah ça, c'est sûr que ça a des, et ça, des et avantages. Ça, c'est... Hein. Alors, par contre, je suis en train de prendre de l'autonomie forcée sur toutes les provinces que ces connards ils sont en train de prendre chez moi là dans le territoire principal. Ah ouais, bah mes troupes arrivent au Finistère là. Donc j'avoue que ça me casse copieusement les noix, d'autant plus que je ne peux pas aller chercher mes troupes évidemment, parce que mes troupes elles sont à Rome. Mais putain, mais pourquoi vous vous êtes arrêtés les gars? Sur le chemin il y a des bateaux et c'est chiant. J'arrive, je fais ce que je peux. C'est pas assez. Bah ouais. Fin du siège de Rome. Oh putain, il y a 32 000 bohémiens là. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Ah, ça va. Ok, bon bah le aussi. Siège de Rome c'est fait au fait. Hein. Allez. Donc, les mecs. Tu peux en faire ce que t'en veux. Bah je crois que c'est toi qui lance la guerre. Hein. C'est moi le chef de la guerre. Il me semble. Ah putain, c'est moi le chef de la guerre. Bah ouais, mais c'est ce qui me semblait. Le Cagus Belli c'était. Mbamba. Voilà. Ça c'est de l'objectif. C'était ça, la petite merde hollandaise là. Ah oui, parce que d'accord, ok. Bah on est à 70% de victoire, on va peut-être négocier des trucs. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah écoute, j'ai un siège qui va tomber en Bohème là si tu veux, donc c'est toi qui vois. Ouais, mais bon, déjà les états pontifs, je pense qu'ils sont gavés. Je pense que je peux sortir le pontife déjà. Je saute sur tes rebelles, Tibbs. Quelqu'un veut quelque chose par rapport au pontife? Non. Bah, je crois pas qu'il a de colonie. Qui les fine hein. Ah, il a une colonie, hein. Il a une colonie, ouais. Hein, quand même. Hein. Bah, il en a plus. Il va être à moi, la colonie. Comme ouais, ça, c'est fait. Tu la vois, sa colonie, mais tu la vois plus. Ah là, merci pour l'or papal. Hop là. Merci beaucoup. Ok, on a des colonies suffisantes, c'est parfait. Voilà, les rebelles irlandais ont été rasés.
Et moi j'ai des rebelles au Danemark, donc c'est bien, ils vont dessiéger ce qu'a siégé la Bohème. Ah merci, t'as assuré. Hop, je dessiège et puis je retourne voir un peu comment ça se passe par là-bas. Très très bien joué. Putain, il est nombreux le bohémien là. Hein. 40 000. Ça peut être la violence. Bah sur Bohème, en Bohème. Sur Bohème. Il est chez lui, il est chez lui. Il dessiège les trucs que j'ai assiégés en fait. Ok, bah écoute, j'arrive. Mais il fait des sièges de fou. Hein. Putain. Diplomate français, on s'en tamponne un peu. On a 100, oui, on a 100 en Hollande, ok, très bien. Écossais, si tu veux, on pourrait aller sauter sur les bohémiens en haut quand j'aurai fait tomber le siège là. Pas de soucis, hésite pas. Ah putain, on l'a perdu le siège, fais chier. Il revient vers toi, fais gaffe. J'ai 40 000 Irlandais vénères qui sont en train d'arriver. Oula, il y a fight là, il y a fight, Damned, fais gaffe là. Ah merde. Il va te sauter dessus, c'est mort. Mais... Ah oui. Mais il est très mauvais. Putain, j'arrive. Putain, il est pas bon. Ah, il va m'intercepter ce con. Ah, ça va être tendu. Ah ouais, bordel. Non, c'est mort. Ouais, bah, mais tu vas le... Je vais le finir, mais pour la gloire, quoi. Salut. Ouais, ouais. Oh bah... Les Irlandais sont là. Bien joué. Bien joué. Un coup de balai. On n'en parle plus de ces cons. Ah bah le Hollandais a débarqué en Afrique. Je crois que vous avez été occupé de l'Afrique, non? On s'était occupé de l'Afrique. Ça doit être ces saloperies de... Ah mais attends, il en reste encore des trous ducs là. Ah bah oui. Ouais. Il reste le château de Celle. Château de Celle. Salzbourg, c'est vraiment le château de Celle en fait. Bah oui. Tout à fait. C'est beau. Je pense que la prochaine fois que je ferai une série, je prendrai Salzbourg. What? Ouais, tu feras un... Il faudra qu'on en vignette soit un beau château de sel. Est-ce que tu peux faire redescendre nos troupes d'Amnet qui se trouvent en... Bah c'est ce que je suis en train de faire, je crois. Ah ok, parce que là ils sont 50 000 et ils nous cassent un peu les couilles. Ouais, je pense que Bohème va lâcher l'affaire là. Alors, la province de Bred... Ah putain, mais il y a des paysans partout en Hollande, fait chier. Pointez-vous les gars. C'est pas très sympa pour les Hollandais, je trouve ça. Comme remarque, ils y peuvent rien. Un emprunt arrive à son terme, mais oui, on rembourse, bien sûr. Oh putain! Guerre élue. Ah, là, 25 000 hurons. 20 000 hurons plutôt. Excusez-moi, je prends une petite tech militaire. Ouais, moi aussi. Vas-y. C'est l'heure là. Ouais, je l'ai pris aussi, infanterie de ligne. C'est très très bien ça. Par contre, du coup, j'ai des problèmes de hurons. Par contre, du coup, également, nous sommes à près de... d'accord, mais je peux faire la paix, en fait. Détendons-nous. Ouais, je pense que tu peux commencer. Après, la Hollande commence à être bien dessiégée par ces foutus rebelles, là, mais... Ouais, bah, là, je sors Salzbourg, en fait, déjà, pour commencer. Ah oui, effectivement. Après, je vais sortir la Bohème et tout, et puis la Hollande, on va la dépiécer, et puis voilà. Dès que t'auras enlevé la pause, du coup. Ouais, évidemment. Pas de soucis, j'enlève. Impasse. C'est chaud comme impasse quand même. Hein. Allez mec, bougez-vous. J'ai dit bougez-vous. Voilà. On mange des sièges un petit peu. Il a 50 000 troupes hein, quand même. Hein. Ouais, je sais. Donc là, je vais débarquer en Hollande. Ah bah j'y allais là. La Bohème est à faible. Alors la Bohème, qu'est-ce qu'on peut lui faire cracher? Plein de trucs. Hein. Mais techniquement... Te gêne pas avant qu'il se jette sur nous. La Bohème... Je sais pas ce que je peux lui demander à la Bohème, en vrai. Bah, elle a pas vraiment de colonie, donc à part du blé, je pense que pas grand-chose. Hein. Annuler les traités avec les Pays-Bas. Ouais. Pourquoi pas. Ouais. Des réparations de guerre. Tout son fric. Et puis c'est tout, hein, je peux rien faire de plus. Hein. Oui, je pense que mon avis... Voilà. Pas mal de pognon. Alors du coup on est en exil. Ah putain, on a des séparatistes français qui se sont soulevés. J'arrive en France là. Je vais faire la paix avec la Hollande aussi, comme ça ce sera fait. Si tu veux me filer quelques colonies. Putain, je suis coincé, quel est le fuck? Ah d'accord, ouais. Faut que je fasse tout le tour par là, t'entends bien. Quelques colonies.
Ouais, par exemple, le truc qui est la Côte d'Ivoire qui appartient à l'Écosse. Si l'Écosse voulait me le filer, ce serait cool. Bah, il faut qu'il y ait un transfert de fait, par contre, de. Comment ah, ouais. Siège. Ouais, s'il te plaît, écossais. Ah oui. En Côte d'Ivoire, comme ça, j'aurais un truc lié, ce sera cool. Ouais. Tiens. Sinon, il y a les colonies de. Il y a les colonies colombiennes, mais. Franchement. Tu veux pas. Alors, qui veut la Hollande, les terres de la Hollande, vraiment. Les terres, moi, non, pas de. M'en foutez. M'en fous. Oh. Bah, je les file à Dame Ned, hein, il se démerdera avec. Après, ça pourrait être intéressant de faire des paix séparées, éventuellement. Éventuellement, vas-y, allez pour le fun. Des paix séparées, c'est-à-dire. Non, je me demandais, parce que comme c'est mon rival, je me demandais si ce serait intéressant de faire des paix séparées, que moi je l'humilie, puis qu'après toi tu l'humilies, vu qu'on l'a écrasé de toute façon. Mais non, je peux même pas l'humilier en fait, vu que okay. Je suis pas co-belligérant. Alors, on va avoir une grosse coalition, mais en fait, c'est pas si grave que ça, parce que je crois que la coalition, ça va surtout être. Être des gens qui. Ah merde, des gens je peux pas filer ça. Attends. Non, il faut qu'on continue un peu, parce qu'en fait, il y a des pécores dessus. Repris, je peux rien prendre en fait. Ouais, bah j'essaie d'envoyer des troupes, mais. Du coup, mes troupes sont coincées, ça fait chier. Oui. Attends, mais moi je suis en exil chez toi. Bah ouais, on est obligé de faire tout le tour là, du coup. Ah putain, quel emmerdement. C'est un peu la merde. Plus fertile en Afrique, hein, très très bien. On va aller buter ces cons là. On va aller buter les rebelles français, ça leur apprendra. Une aptitude peut-être achetée, très très bien. Coup de la répression implacable, je prends. Voilà, l'Orléanais c'est fait. Ouais, l'air belle c'est fait. Ok, bah si tu peux tout reprendre, Dame Ned. Je suis en train, petit à petit. C'est parfait du coup. J'envoie 15 000 hommes à l'arrache là, en Afrique. Parce qu'après. Ça passe tellement. Parce qu'après, on a demandé la paix, demandé la paix. Salut les pécores. Je me dépêche, hein. Mais... Les ouais. Gens sont vraiment très très tristes de cette guerre, j'ai l'impression. La bataille de la haie, c'est fait. Alors ouais, ici, on a une tech, on la prend. Voilà. Wow, alors attends, il faut que je file les sièges à l'écossais. Impressionnant. Ouais, filer les sièges à l'écossais, puis après je. Putain, le casus belli impérialiste, c'est la violence. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ouais. Tout est. Ouais, normalement, tout est bon, ouais. Ouais, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu peux, y a pas de. C'est bien gentil à vous. Alors, c'est quoi. Cool, permettra de mettre un peu de jaune par là-bas. Mm-hmm. Alors. Oublie pas de prendre ton truc de passail aussi. Si tu peux, parce que comme on n'a pas de score non, de guerre contre eux, je peux pas. Ouais. Je peux pas prendre des trucs à passer. C'est la tristesse. Triste, hein. Je vais récupérer des terres dans les comment dans les îles. Ouais. Hop, je prends ça, je prends ça, je prends ça. On va fourrier des trucs à l'ami. Tu prends Breda aussi. Les gens m'ont tiré un peu la gueule. Hein. Mais bon, ah, ouais, je pense, ouais. On s'en fout des gens. C'est ça. Bon, c'est pas mal. Alors par contre du coup, maintenant qu'on est oui. Qu'on est plus en guerre, est-ce que c'est la merde? Tiens, j'ai pas d'union personnelle ou quoi que ce soit. C'est très très étrange. Ah merde. Défaite, hein? Mais à quel moment? Comment? Je sais pas, j'ai eu une défaite contre les hérétiques de Damned là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Oui, t'avais 1000 hommes qui traînaient au Danemark et Ah, bah ça devait être les mecs que j'avais demandé en trajet automatique et ils ont. Eh ben, désolé, c'est malheureux. Désolé pour eux. Ils ont décédé du coup, c'est bien triste. Je suis attendez, fort Marie. Qu'est-ce qu'ils me disent? Attends. L'empereur de la Bohème exige que nous rétrocédions la haie. Ah, la haie, pardon. Non. Lol. Évidemment. Va crever la bouche ouverte. Viens le chercher par la force, que nous rigolions un peu. Oui, il n'y a plus vraiment de problème à attendre. Alors, on a toujours un souci de rebelles. Non, c'est terminé les soucis de rebelles, donc c'est très bien. Parfait. Ouais, pareil.
On a 80, 89 de démonstration, puissance. Ah, moi, je fais 47, ça fait chier. C'est plutôt très très propre. On a plein d'argent aussi. Vous êtes qu'on s'en serve. Qui, vous ? Pourquoi vous faites un siège là ? Rien de mieux à foutre. Mène la guerre de course contre la Bourgogne, ouais, ok, a éliminé la France. Mon dieu, Liège a rejoint une coalition contre moi, Verdun aussi. Enfin, Verdun, pardon. Verdun, ouais, je me disais, tiens, Verdun, je me souvenais pas de cette faction. Verdun, ouais. C'est pas pareil. Allez, on va outrager le français. Cette expression culture française, c'est bien un oxymore, n'est-ce pas? Non, on peut faire mieux. Ah, alors, je crois que c'est celle que t'avais. Ça, c'est un de ceux que t'avais eu, Damned, avec les enfants de hamster, là. Ah oui. Ouais, il est bien celui-là. Ah, celui-là, il est bien. Il y a visiblement un problème en France. Tout porte à croire que cela s'applique par la proportion de population française qui y vivent. Ah, celui-là, il est vraiment très bon. C'est très très bon, ouais. D'autant plus que c'est toujours cadeau. D'actualité. C'est tellement ça. C'est cadeau. Allez, nous on continue. Moi je continue de faire la Papouasie irlandaise, la fameuse. Alors attends, j'ai un événement là, réforme radicale, qu'est-ce que c'est que ça? 5 de mercantilisme, perte de 1, on stab, ouais, bof. Le mec se casse et on gagne des points. Le mec se casse et on gagne des points. Tout le monde se casse et on gagne des points. Mais plein de points. En résumé, il y a du point quoi. Plein de points. Ouais, non, on va dégager ce mec là. Bon, en fait, je gagne 200 admin ou 200 diplomatique ou 200 dans les deux. Ouais, 200 c'est pas négligeable. Hein. Ouais. Franchement, pas. Il faut qu'on a du blé, on va les dégager et on va reprendre un mec. Tiens, bah, agitation dans le pays, c'est pas mal ça. Oh, putain, mais je vais peut-être investir parce que la thune là. Allez, c'est parti. Une nouvelle tech. D'argent. Voilà. Allez, go! Alors, du coup, avec c'est nos. Quoi, Luanda? On va faire des revendications sur la Hollande, puis on va calomnier ses marchands. Ah, on perd des revendications sur la France, ça va pas du tout ça. Français. Difficulté pour les marchands. Oui, on les aide. Off course. La Bourgogne, du coup, comment ça se passerait si on décidait de lui sauter à la gorge? Ah, la Bohème viendrait, hein. Bohème qui ne peut pas nous saquer, bien sûr. Pourquoi l'Autriche viendrait pas? Ah, parce qu'elle est dans une autre guerre. Ça, c'est triste. Ah oui, c'est vrai, on avait les Guarani. Alors oui, on m'a dit que ça se prononce les Guarani. Je m'excuse. Je m'excuse à tous nos viewers du Guarani. Tout à fait. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Bah oui, on me l'a fait remarquer, donc voilà. Moi, je... Faut croire, hein. C'est fou. Toi qui nous regardes, c'est pour toi. C'est ça. Bon, par contre, je vais pas pouvoir le vassaliser, malheureusement. Il faudrait que je file du blé. Bon, la Hollande, on s'en fout. Tout le... Alors, est-ce qu'on pourrait faire un don à ce cher monsieur? Est-ce qu'on pourrait genre l'influencer? Pendant 10 ans... Mais j'avoue que t'aurais pu balancer une petite guerre à la France, hein. Proprement, cher ami breton, histoire de... Ouais, bah attends, j'essaye de préparer éventuellement mes billes pour l'Espagne. Mais on n'est pas encore en trêve avec la France? Ah non, on n'est plus en trêve. Il est en guerre contre Malacca, le pauvre. Devenir contre défenseur rien. De la foi. Ouais. Ouais, d'ailleurs, je crois que j'ai une mission pour ça. Mais il me faut une unité religieuse de 100%, donc ça fait un... je peux pas le faire, en fait. Tiens, je crois que je vais avoir une mission, t'as raison. C'est comment? C'est laquelle, déjà? C'est bien triste. Alors, on a un diplomate de libre. La France. Oh, l'Espagne ne viendrait pas si on attaquait la France, dis donc. Ah bon? Parce qu'elle a... 7630 de dettes. Ah oui. Juste, quand même. Juste ça, quoi. Ça fait un paquet. Bon, bah allez, c'est parti. Du coup, elle serait toute seule. Enfin, il y aurait les tekés, quoi. Voilà, mission remplie. Ok. Bah écoutez, bon courage.
Je regarde un peu. Impérialisme, ça fait quoi? C'est pas mal, impérialisme. Sinon, on a ça. Nationalisme, c'est mieux ou pas? Ah! Un Domnail est nommé héritier du trône en Irlande? Toutes les provinces relevant de notre sphère culturelle. Tiens donc. C'est du flan. Là, c'est MacWilliam, quoi. Ah, la culture française appartient à la même sphère culturelle que la culture bretonne. Ce qui veut dire que je peux complètement lui défoncer le fion gratuitement, quoi. Impressionnant. La France, mais quand tu veux, hein. Eh ben écoute, écossais, c'était chaud. Bah écoute, normalement, j'ai 30 000 troupes qui doivent débarquer, si c'est pas déjà fait. Donc j'appelle l'Écosse. Non, elles arrivent, de toute façon. On appelle l'Écosse, on appelle pas l'Autriche, on s'en fout, on appelle pas l'Irlande, t'as pas besoin, je pense. La France, non, c'est pas trop mon truc. Bon, arrête ça, parce qu'il joue la France dans une autre série, ça y est. Pff, t'as vu comment il est? Absolument, absolument pas. Allez, on va direct aller poser nos gros derfs sur Paris, ce sera une bonne chose de faite. Alors, juste le temps que je ramène mes troupes en bateau, mais je suis pas loin. Oh là là, on pille plus de 3,50 dans ces provinces, c'est la fête absolue. Tu débarques à Calais? T'es sûr que tu pourras traverser la Bourgogne? À Calaisie. On va tester. Ah, j'ai de plus en plus de gens qui rejoignent la coalition contre moi, mais bon. Ouais, je peux traverser, ouais. C'est un peu normal. La Suisse, bon, alors après, j'ai qui contre moi? Bad, Francfort, Lorraine, Suisse, Verdun, Mars, Frise, Liège et les Pays-Bas. Ouais, ils l'ont mal pris. En sachant que Bourgogne et Cologne, c'est en train de se tâter pour rejoindre. Bah écoute, on va voir. Oui, mais avec les alliés que j'ai, avec ce que j'ai et les alliés que j'ai, ça me fait pas peur. Mais bon, est-ce qu'avec 60 000 hommes, on peut défoncer la France? Maintenant, c'est ça la vraie question. Tiens, je te donne tous les sièges, hein. Tu te feras plaisir. Mais tu es bien urbain. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'a-t-il? Ah, on a une mariée. 6-2-0. Ouf. Au moins, il y a un 6. Ouais, on va pas s'en plaindre, ça veut dire qu'au moins, on n'aura pas d'union personnelle. Hein. C'est déjà pas si mal. On peut complètement prendre ça, on va le prendre. Détection des espions étrangers améliorée. Alors par contre on est en vitesse 3 donc ça va assez vite, faut faire gaffe à pas faire n'importe quoi. Ouais ça va vite ouais. Si jamais ça va trop vite, vous baissez. Hein. Bah y'a que toi. Alors, qui peux baisser non, en fait. On demandera. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Mon dieu, non, une révolte. Oh non quand même. Un français a défoncé. Putain, c'était juste hein. Ah merde, on perd 12 000 sur les réserves de l'armée, ça calme. Bah, c'était juste parce que j'y étais avec une armée pourrie. Oui. Mais je suis pas contre une petite vitesse 2, hein, cela dit. Allez, vitesse 2, c'est parti. Et la Bourgogne a rejoint la coalition. Bah, si la Bourgogne veut nous attaquer, ça m'arrangerait, parce que j'arrive pas à m'en débarrasser de ces... Enfin, je peux ouais, pas c'est les attaquer, juste qu'elle aurait un peu chier. Plus d'alliés, mais sinon, ça peut se faire. Oh, les sièges, on les fait sauter tellement vite. Alors, où est-ce qu'il va le français? Oh là là, le truc est tombé à 7%. J'ai... Je crois qu'il y avait que l'IA qui pouvait faire des jets pareils, quoi. Non, incroyable. C'est clair. Comme quoi. Je te ferais dire, Tibbs, qu'en commentaire, il y a quelqu'un qui disait qu'il fallait que tu me plusieurs personnes qui ont dit qu'il fallait que tu me rétrocèdes un territoire au Canada, apparemment, que tu m'aurais volé sans que je ne me rende compte. Alors, je l'ai volé aux Indiens, pas à toi, déjà. Ah bon? Ça change tout. Mais tu ne m'as pas demandé l'autorisation, tu l'as encore moins demandé. Tu veux dire au que je t'ai pas demandé l'autorisation de voler un territoire qui t'appartenait pas, ça? Qui m'appartenait pas, mais qui m'appartenait de jure. Putain, de jure, genre, parce que le pape, il a tracé une ligne, il était bourré ce jour-là. Il a un peu dérapé, ça a fini chez toi, c'est tout. Un pape bourré? Non mais attends, mais le mec là, il a 4 de siège son commandant, quoi, faut arrêter. Là. Le sang du Christ. Enfin, quoi qu'il en soit, ce n'est pas grave. Mais... Bah non, tu vois que c'est mais pas mais mes espions ont bien parlé, je les remercie. Je suis pas étonné. Et l'autre, il va dessiéger Paris en un tour, quoi. Il commence son siège à 57%, le français. C'est la fête, et... quoi. Et... il va réussir, bien sûr, non? Ah non. Ah, même 71. Pas. 71. Bah dis donc. Tu veux peut-être de l'aide, non? Non, c'est bon. Bon, ça devrait aller. Sinon, je remonte en marche forcée, hein.
Mes troupes devraient arriver avant le... avant que la prochaine jauge se termine là, donc on va y aller. Si tu le stack wipe pas, il va redescendre dans le sud et je n'aurai plus qu'à l'achever. C'est ça. Allez, on va être 60 000 là. On se regroupe et on y va. C'est parti pour cette petite bataille. Bataille qui sera une bataille de fin d'épisode d'ailleurs. Et oui. Hop là. Le temps passe tellement vite. T'appelles ça une bataille, j'appelle ça un massacre. Ouais bah putain, comment il m'a fait mal quand même hein. Ouais wow. Il fait mal hein. Ah, voilà. Il fait mal, ouais. 20 000 le mec wow. ils étaient moins chez moi, il fallait pas qu'ils soient... Ah ouais ouais, un tiers, moi. Les Français quoi, putain, c'est tellement la violence. Ça pique. On met la pause et on va donc clôturer là, je crois. Ouais, parce que moi, s'il y a ces 9 000 hommes qui descendent sans morale avec mes 30 000, j'y vais pas, hein, dans le doute. On sait jamais. Bon. Bon, eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. Petite guerre contre le français de Bonaloa, après une petite guerre contre la Hollande de Bonaloa. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à aller voir la perspective de Tiberians sur sa chaîne, les liens sont dans la description comme toujours. Et on vous dit à très bientôt pour la suite. À plus. Bye bye.